Nous avons besoin de tentes et de nourriture. La plupart des familles qui sont venues ici sont soit des ouvriers, soit des commerçants. Elles ont toutes besoin de nourriture et n'ont pas d'argent. J'ai perdu mon mari à la suite d'une crise cardiaque. Nous sommes une famille de 23 personnes. Je reste ici et je suis déplacée. Maintenant, nous ne pouvons que placer notre espoir en Dieu. Ma fille est paralysée par la peur d'un nouveau séisme.